Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom ? Claire. Alors, vous pouvez me donner votre date de naissance, Claire ? Oui, le 16 mai 62. Alors, 16-05-62. Ok, vous nous appelez de quelle région, Claire ? Région Bretagne. D'accord, très bien. Alors, Claire, je vais vous demander de me poser une question précise, si vous avez. Oui, bah, faut savoir, je suis célibataire, il faut savoir si je vais rencontrer quelqu'un de sérieux. Très bien, allez, on va regarder ça. Donc, je vais vous demander de bien vous concentrer sur votre question. Et quand vous serez bien concentré, Claire, vous me direz stop. D'accord, stop. Ok, alors, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 10. Le 4. Encore un. Le 6. Encore un. Le 2. Et un dernier. Le 9. Bon, il est vrai que vous me ressortez quand même apparemment des situations qui n'ont pas abouti. Donc je suppose qu'il y a peut-être eu plusieurs rencontres qui n'ont pas abouti ou qui ont été en tout cas sans lendemain. Oui, c'est ça. Ouais, parce que... Et en même temps, on me parle aussi de désordre. C'est comme si que, bon, vous aviez c'est comme si que vous avez... Là, on voit que vous avez des choses à régler, en fait, en rapport peut-être avec un passé aussi. Ça vous parle ou pas ? Oui, ça me parle, oui. Bon, alors on va regarder. Alors Claire, donc... Alors, ce qui est assez bizarre, Claire, c'est qu'on me parle aussi de quelqu'un que vous connaissez. Oui. Alors là, vous me demandez si vous allez faire une rencontre nouvelle. Moi, j'entends plutôt qu'il pourrait y avoir, dans l'absolu, une relation sentimentale qui s'installe avec quelqu'un que vous connaissez. Mais le souci, c'est que cette personne, dans ce que j'entends, n'est pas libre. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ? Bah, pour l'instant, elle n'est pas libre. Je ne sais pas si c'est celle que je pense. J'ai une relation plutôt charnelle avec lui, mais donc il est en instance de divorce, quoi. Oui, mais vous avez une relation charnelle avec. Oui. Donc, ouais, non, c'est pas ça. Ça, pour moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas destiné à durer. Non, moi, je vous parle de quelqu'un que vous connaissez avec qui il y a une relation amicale. Oui. Avec qui il n'y a rien eu. Alors, si vous ne voyez pas, c'est quelque chose qui va s'inscrire là au niveau de l'avenir. Hein. Oui. Alors, je vais... Parce que j'avais un ami avec qui c'est terminé même en amitié, donc... Ah. Et celui-là, il s'appelle comment ? Charles. Et il a quel âge, à votre avis ? 53 ans. D'accord. L'homme avec qui vous entretenez une relation charnelle et qui n'est pas libre, celui-là, est-ce que c'est quelqu'un qui a un poste de responsable ? Non, pas du tout. D'accord. Donc, celui-là, pour moi, ça s'arrêtera. Ça, c'est pour moi, c'est une transition, si vous voulez. Parce qu'en plus, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui quitte la femme avec qui il est. Disons qu'on voit une relation amant-maîtresse. Ouais. Mais ça, bon, je pense que vous le savez. Oui, oui, de toute façon. Vous l'avez commencé quand, cette histoire-là ? Oh, il y a un mois et demi, à peu près. Ouais, non, ça va pas aller loin, ça. Et par contre, votre ami, là, qui s'appelle Charles, est-ce que c'est lui qui a un poste à responsabilité ? Je sais pas du tout, je pense pas, non. Bon, parce que moi, si vous voulez, on me montre un homme qui aurait un poste à responsabilité ou qui travaille à son compte, qui a sa propre affaire. D'accord. Avec qui vous risquez à un moment donné de vivre une relation sentimentale. Mais au départ, pour moi, c'est plutôt une amitié. C'est-à-dire que vous allez commencer la relation en ami, ça va durer quelques mois. Et après, ça se concrétise en relation sentimentale. Par contre, pour être franc avec vous, j'ai pas l'impression que vous puissiez rentrer dans quelque chose de sérieux et de constructif sur cette année, Claire. Voyez ? Parce que si vous voulez, là, on voit que bon, c'est un peu le désordre. On voit que bon, vous êtes quand même dans cette relation là qui n'est pas très claire. Donc, on voit que vous vous laissez aller dans cette histoire sans trop y croire. Non, moi, je vois quelqu'un de nouveau. Et donc, quelqu'un que vous êtes censé rencontrer plutôt dans des mois d'hiver, Claire. Oui, je ne sais pas trop. Mais c'est normal, c'est pas encore arrivé. Donc, en tout cas, vous n'hésitez pas à me tenir au courant. Là, j'ai survolé votre situation. Si vous voulez plus d'éléments, vous me rappelez sur la plateforme.
et oui. on essaiera de rentrer dans les détails. D'accord. D'accord ? Oui. En tout cas, passez une très bonne journée. Pose une petite question. Mais on n'a pas trop le temps, donc vous rappelez-moi plutôt, Claire. D'accord. Ok. Passez une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.